Chers concitoyens, nous sommes aujourd'hui, ah, je ne sais jamais, alors évidemment je vis en dehors du temps, mais nous sommes le 8 octobre 2017. Eh bien, puisque c'est dimanche et qu'il fait beau, je ne sors pas, il y a un peu de vent, mais je voudrais vous permettre, grâce à cette poésie intitulée Caresses amicales ou passionnées, de vous démontrer que je veux l'union entre nous, qu'il n'y a pas de différence, ni de salaire, ni social, ni rien du tout. Nous sommes tous égaux, poil au dos. Alors le Béarnais va vous conter, va vous lancer ce poème intitulé Mon Dieu, quand de pudeur! Une caresse, nous dit-on, nulle saveur. Nulle raison. Une caresse, apprend-on, c'est bon pour les petits chatons. Alors, les bœufs, ces animaux, ceux qui de leur langue au museau et de leur queue comme pinceau feraient pistache sur leur dos, se frottent-ils contre l'écorce? Voyez! Voyons pour mesurer leur force. Et les perruches jaunes ou bleues, flanquées de nez disgracieux, abordent-elles avec sérieux, apportent-elles la béquée à l'une des leurs aussi âgées? Vous les voyez, les perruches? Hein? Elles sont paillardes. Leur jeu de langue caoutchoutée, observez-les, aurait bien pu faire douter. Une caresse, oh quel affront! Ça n'a ni rythme ni raison. Produit de l'imagination, il n'y faut point faire attention. Voici les amis, je termine et je vous dis au plaisir, unissons-nous!